Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spécifique sur le power slide. Donc c'est tout simplement une figure pour s'amuser à glisser avec les roues ou bien pour nous aider à ralentir voire même à s'arrêter. Je vous ai déjà fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant ici sur les méthodes faciles pour ralentir et s'arrêter quand on est débutant. Et là on va donc faire un sujet spécifique sur le power slide. Comment faire du plus simple au plus compliqué? Donc on va commencer avec le power slide sur les talons en backside et puis petit à petit on va complexifier pour aller faire le power slide sur les orteils, donc en front side, fléchi, debout. On va voir ça en pas mal d'étapes. Spécialement pour cette vidéo, vous avez avec vous aujourd'hui Fred qui est derrière la caméra. Yo. Et qui va vous permettre de voir un petit peu quelles sont les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer quand vous apprenez le skate. Donc Fred, elle fait du surf skate, pas de skate, ça fait 3 étés maintenant. Et donc ça va vous permettre de voir un petit peu les erreurs classiques qu'on retrouve quand on est débutant, apprenti skater. Allez, je vous montre ça tout de suite en image, c'est parti. Donc pour commencer, l'idéal c'est de partir en ligne droite, de venir fléchir, grimper la planche et de faire un virage serré. Petit à petit, vous allez prendre l'habitude de manière à prendre plus de vitesse, plus d'aisance. Et avec plus de vitesse, vous allez petit à petit pouvoir faire déraper les roues. On répète ça un maximum de fois jusqu'à réussir à vraiment être à l'aise. Donc, quelques astuces importantes vont être de bien placer les pieds. Donc, si jamais j'ai les pieds au milieu, ça va être compliqué. L'idée, ça va être d'avancer mon pied avant et de reculer mon pied arrière. De cette manière, je peux jouer sur l'appui des roues. Et donc, si on regarde ça de plus près, je vous refais ça. Ça permet d'être vraiment bien stable sur le skate. On va regarder ça tout de suite avec Fred. Là, normalement, on vient fléchir, on vient graber et on cherche un appui au sol. Donc là, on peut clairement voir qu'il a manqué de la vitesse. Ah, elle préfère mon skate. Pourquoi est-ce qu'elle préfère mon skate? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et à la fin, je vous expliquerai aussi quelques petites astuces qui peuvent vous changer la donne. Son skate est très bien. On a un joli Yo, un surf skate Yo. Et le mien, c'est du matériel de Carver, un petit peu modifié. Mais vous allez voir pourquoi est-ce qu'elle préfère ce skate. Donc on recommence. Voilà, facile, ok. Essaye de nous en refaire un. Oup. Ça c'est intéressant là, donc... Vous pouvez voir que Fred a tendance à perdre l'équilibre et à se faire éjecter sur l'avant à la fin du power slide. Comment tu peux éviter cette difficulté? Regarde de plus près, on peut voir que le haut du corps de Fred est légèrement au-dessus des orteils et d'ailleurs son talon arrière décolle du skate. Idéalement, essaie plutôt de garder le haut de ton corps au-dessus de tes talons, les talons bien plaqués sur le skate et le grab t'aidera à rester en équilibre. Ah non, là j'ai posé la main, c'est pas le même tricks. Dis-moi dans les commentaires si tu sais comment ça s'appelle et en tout cas si ça t'intéresse, abonne-toi car c'est le sujet du prochain tutoriel. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette méthode près du sol, qui est très intéressante pour pas se faire mal, eh bien on va complexifier un petit peu et on va essayer de rester plus haut sur nos jambes. Donc je rappelle bien l'importance des appuis toujours et vous allez pouvoir essayer de doucement lever les roues arrière, donc dans un premier temps à l'arrêt comme moi, et puis petit à petit on va le faire en roulant. Donc, on va essayer ici déjà, je roule un peu, puis je lève légèrement les roues arrière. Et ça, ça va me permettre d'alléger le poids que j'ai sur les roues arrière pour venir faire déraper les roues. Donc en action, ça va donner ça. On fait un virage et puis on décale les roues arrière. Je refais une petite fois. Ok, à toi Fred, c'est parti. Voilà. Ok, elle a bien révisé, hein. Elle s'est entraînée un peu hier, on a un souci de micro, du coup. Bon, nickel, facile ça. Est-ce que toi, tu donnerais des conseils à d'autres débutantes, d'autres débutants? Bien mettre le pied, je dirais, ouais. Des deux premières vis avant. Ok, on y va. Pas trop devant non plus, mais
Ça va dépendre des skates, hein, effectivement. C'est intéressant là ce que dit Fred, c'est qu'en fonction du skate que vous avez, on n'aura pas forcément les roues placées exactement de la même manière par rapport aux vis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire tout doucement avant des tests. Tu nous le refais une fois et puis après, bah, si ça fonctionne, on va passer à l'étape suivante. Ok, nickel. Ok, donc on a vu une première méthode en venant tout près du sol et en grabant la planche, on commence à faire déraper les roues arrière. On a vu cette petite méthode d'apprentissage intermédiaire un petit peu debout. Et donc l'idée, ça va être de s'entraîner à ça un maximum pour réussir à venir déraper avec les quatre roues. Ça va prendre du temps. J'insiste vraiment sur la position, d'accord ? C'est-à-dire la position des pieds. On va écarter un peu les genoux pour être bien centré au niveau du poids. Parce que quand les roues arrière vont partir en dérapage, le but, ça va être d'être bien centré pour forcer aussi au niveau des roues avant pour que ça puisse décrocher. Je vous fais une petite démo. On fléchit. Ok. Donc ça marche pas à tous les coups. Au début, on a vraiment les roues arrière qui décrochent. Et petit à petit, avec la vitesse, la stabilité, on arrive à pousser plus dans la jambe avant. Donc là, Fred, elle peut essayer si elle le sent. C'est un petit peu tôt par rapport à son niveau de pratique. Donc après, c'est intéressant. On va filmer un essai ou deux. Par contre, n'hésitez pas, si jamais vous vous sentez pas hyper à l'aise, à mettre des protections. Parce que là, il y a plus de chances de zipper. Donc, je rappelle, le poids du corps bien centré pour pas zipper en arrière ou en avant en fonction du déséquilibre qu'on peut créer en forçant. T'essayes ? Ouais. Allez, on essaye. Ouais, et ben, il n'y a pas les protections, donc attention, c'est pas grave si ça marche pas, on y va prudemment. Plus de vitesse, les genoux fléchis. Ouais. Ouais, voilà, donc ça va être difficile. Maintenant, il va falloir faire une grande courbe. Essaye de faire un virage plus grand. De manière à pendant toute la courbe que tu puisses sentir que tu mets un peu plus de force dans les appuis. Faut faire un grand virage, ouais. Ouais, bon, on va pas forcer, on va pas se faire mal. Ok. Donc là en tout cas ce qui était intéressant c'est que vous avez pu voir avec Fred, viens voir. Ce qui était intéressant c'est que Fred, eh bien au départ elle faisait un virage très serré. Donc ce qui va vous aider, c'est d'allonger la courbe. On mettra un petit ralenti. D'allonger la courbe. De cette manière, vous allez pouvoir jauger, sentir la force que vous mettez dans vos appuis. Donc au début de courbe, on met un peu d'appui. En milieu, bah, si ça dérape pas encore un peu plus. Et puis encore un peu plus. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à faire décrocher. Donc encore un peu d'entraînement. Si jamais Fred elle arrive à le sortir, et ben, je vous partagerai ça sur les réseaux, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre les actus sur Instagram. Il n'y en a pas tout le temps, mais j'essaie de vous partager ce genre de petites choses. Donc là, pour le skate, on verra si jamais il y a des progrès. Ok, donc maintenant, on va passer à l'autre sens, d'accord, au power slide sur les orteils en front side. Et donc, il y a des petites subtilités, des nuances au niveau de la progression, des astuces pour ne pas se faire mal et puis pour gagner un peu de temps dans votre apprentissage. Ok. Donc celui-là, il est franchement plus casse-gueule, hein, honnêtement. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais au niveau des étapes d'apprentissage, on va commencer tout de suite par la méthode debout. Ok, une grande courbe. Et puis, on allège les roues arrière doucement. De manière, voilà, à s'entraîner à les faire déraper. Et petit à petit, on va déraper un peu plus. Il va falloir en manger, en répéter énormément de fois. On va regarder ce que ça donne avec Fred. Voilà, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, essaye de... Ouais, c'est ça, exactement. Donc... Alors, petit retour de Fred. D'après Fred, c'est... Moi, je trouve ça nettement plus simple. Ouais, ok. Bah moi perso je trouve ça, je suis assez d'accord avec Fred, mais c'est intéressant d'avoir le retour de sensation de quelqu'un qui découvre le skate. Ok, bah refais-nous-le dans l'autre sens, t'essayes de faire une plus grande courbe.
Yes. Ok. Ben nickel. On est bon pour cette étape. Très intéressant d'avoir les retours de Fred parce que vous voyez, effectivement, je préfère faire dans ce sens-là, moi aussi. Donc, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est plus facile dans ce sens-là ou si vous préférez, hop, action, hop, pas d'action. Ouais. Ok, donc on peut voir là que Fred, elle va encore à une vitesse très modérée, c'est bien. Il va falloir en faire énormément pour réussir après à déraper avec les quatre roues. On va regarder sa position, refais-le. Voilà, donc là on voit que elle prend vraiment élan avec le haut de son corps. Je vais exagérer, mais quand on fait déraper que les roues arrière, on voit bien sur Fred, elle utilise beaucoup le haut du corps pour préparer et envoyer. Sauf que là, pour faire déraper les quatre roues, on va pas envoyer comme ça avec le haut du corps, mais on va vraiment charger les appuis dans les jambes. C'est pour ça qu'on cherche beaucoup de stabilité. Parce que comme on appuie fort, on peut zipper aussi facilement. Donc là, vous voyez, je suis vraiment concentré pour garder mon équilibre, rester sur le skate, pas que ça dérape trop, pour rester debout dessus, puis pas perdre complètement la trajectoire. En ralenti, tu peux voir à quel point j'attache de l'importance au placement de mes pieds pour avoir de la stabilité et pouvoir forcer pour permettre aux roues de décrocher et de slider. Et dernier point vraiment pas négligeable, c'est ta position. Tu peux voir que je fléchis beaucoup les chevilles, un peu les genoux et les hanches, mais je fais très attention à incliner l'ensemble de mon corps. C'est pas mon dos que je viens pencher en avant, auquel cas j'aurais pas de force dans mes appuis. Donc entraîne-toi un maximum à faire des virages dans ce sens-là, afin de trouver vraiment la position qui est confortable sur ton skate. Vous avez vu, on a ces deux skates, donc Fred a ce yo, et moi j'ai ce carver. Le plateau n'est pas d'origine, je préfère ce plateau, je vous expliquerai ça plus en détail dans une future vidéo. Mais pourquoi elle préfère ce skate-là? Bah pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a deux densités de roues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces roues-là sont un petit peu plus molles que les roues vertes. Et on peut l'entendre, je vais vous faire une petite démo avec ce skate-là juste après là. Mais ces roues-là, elles accrochent énormément, c'est très agréable pour pas mal de choses en surf skate. Et celles-ci, elles accrochent un peu moins, c'est agréable aussi pour certaines choses. Donc chacune ont des avantages et des inconvénients. Celle-ci, les vertes, c'est vraiment cool pour faire ce genre de tricks. Donc je vous montre un petit peu avec ce que ça donne avec ce skate. On va rien entendre, mais ça fonctionne aussi. Donc si jamais vous avez plutôt des roues comme ça, c'est pas un problème, on peut aussi faire ces tricks. Je commence facilement au sol. Ouais, je l'ai. Vous avez pu voir que ça accroche beaucoup. Voilà. Donc ça accroche beaucoup plus. Vous avez vu, il m'a fallu deux essais pour trouver le point d'adhérence. Et encore là, j'en suis qu'à l'étape des roues arrière. Je vais essayer quand même avec les quatre roues, mais. Ouais. Ça accroche plus, donc faut forcer un peu plus. C'est aussi l'avantage des roues du carver. Donc pour information, c'est du 81A, c'est marqué sur les roues. Et ici on a du 80, donc il y a très peu de différence, mais ça accroche déjà beaucoup plus et donc c'est beaucoup plus difficile de les mettre en glissade, quoi, de faire un power slide. Alors voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aidera à apprendre le power slide. On remercie énormément Fred qui vous a permis de voir un petit peu les erreurs, les difficultés que vous pouvez traverser et rencontrer quand vous apprenez cette figure. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire? Merci Joël. Non, si comme moi tu veux continuer dans ta progression, surtout bah, n'oublie pas de t'abonner à Nomad Snowboard. Ciao, ciao.